Gamer Gourmand, le joueur le plus gourmand de tous les jeux vidéo. Et on se retrouve, chers amis, sur Kringsen. Donc, on se retrouve sur le chapitre 2 de ce let's play. J'avais annoncé sur une vidéo que je ferais une vidéo récap de la série du chapitre 1. Et je me suis dit, oh, ça va prendre du temps à le faire parce qu'en tout, il y en a 20 vidéos à monter. Ça va prendre beaucoup de temps, du coup, à le faire monter. Surtout à couper les parties et tout. Donc ça la grosse chose à faire. Et moi j'aimerais bien faire des séries en tout cas, c'est-à-dire continuer l'histoire du jeu. Et donc voilà, pour vite faire un bref sur le chapitre 1, nous on avait donc sur le chapitre 1 de l'histoire de Kringsen, nous sommes donc des nous sommes en fait, si vous voulez, une civilisation de type robotique, hein, on va dire. Et à l'époque, on utilisait donc des robots, c'est-à-dire des Oni. Des Oni, il y a beaucoup plus, il y a plusieurs différentes d'Oni et aussi de races, de types de races d'Oni. Et chaque race de type de Oni a une utilité. Et il y en a une race qui peut ouvrir des clusters, un portail où il va vous permettre donc d'aller dans d'autres. Dans d'autres galaxies, on va dire, ou d'étoiles, je pense, entre, je sais pas, mais c'était ça, une histoire comme ça. Et l'objectif aujourd'hui, on avait donc notre commandant qui s'appelle Illid, je sais plus quoi là, elle a un drôle de nom, et son acolyte Caliban, qui est son nom, son donc, son, comment il s'appelle déjà, son Oni. Et donc son Oni est un Oni de combat, on va dire. Et il est là donc pour en tout cas activer les vaisseaux, faire plusieurs choses. On a remarqué donc que il peut donc aussi ouvrir des clusters. Et sauf que il peut remettre à zéro donc son vaisseau et ses équipages. On avait donc battu et on a donc voilà vu et battu le maire, qui est donc le gros monstre qu'on avait dit qui ressemblait à Urgot. Et donc Baer avait expliqué, donc on a posé des questions sur la dispersion des Oni, donc différentes questions. Et elle nous a dit le maximum qu'elle a pu, et puis elle était morte du coup vu qu'on l'a battue. Donc, on se retrouve donc sur chapitre 2, cher Faïb, et comme d'habitude, on va continuer. Est-ce que la cinématique d'introduction c'est pareil ou pas? Je suis curieux là. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Alors, nouvelle partie, on va continuer. Qu'on a dû commencer à zéro. Alors, le téléchargement de votre esprit est terminé, amiral. Prêt à recommencer? On est bien sur le chapitre 2, les gars, hein? On n'est pas sur le chapitre 1, on recommence pas la nouvelle partie, on continue justement. À part que. Ouais, je pense. Ouais, je me rappelle ce qui s'est passé. Je me sens un peu confus. Peux-tu me rappeler ce qui s'est passé? Ah oui, eh ben, ça va, c'est pas romance, en moment on avait fait ça. Dans la bordure extérieure, Mère nous a dit que l'église pourrait être derrière l'extinction des Onni. Nous sommes donc rendus dans le cluster des croyants pour le découvrir par nous-mêmes. Nous avions à peine démarré notre enquête que notre vaisseau de guerre a magnifiquement explosé en morceaux avec vous. L'équipage et moi-même à bord. Mais attends, le truc n'est pas logique. Si le. Quand on a à peine démarré dans notre rancune que notre vaisseau de guerre a magnifiquement explosé en morceaux avec vous, et que l'équipage et moi-même à bord,
Alors pourquoi il est ici, le Caliban? Le téléchargement de votre esprit est terminé, amiral. Prêt à recommencer? On va poser des questions, c'est la meilleure des choses. J'ai d'autres questions pour toi. Bien, mais faisons vite, notre empire est mourant. Demandez pourquoi vous avez les souvenirs du dernier Idaho qui est mort. Demandez à Kali comment Kaliban a survécu à la bataille. Demandez si les clones peuvent mourir pour de bon. Demandez combien il existe de clones d'Idaho. Demandez si votre équipage est mort également. Je suis curieux de tout ça. Mais je me souviens des souvenirs du dernier clone. Je me rappelle de sa mort. C'est dû au téléchargement de votre esprit. Le dernier Caliban enregistré est renvoyé et renvoie à Guyana les souvenirs du dernier clone d'Idaho. Presque tout le temps. Ceci est fait dans le but d'apprendre de nos défaites dans les clusters. Mais les souvenirs émotionnels de l'Idaho original. Non, vous ne pouvez toujours pas vous rappeler de ces souvenirs. En tout cas, pas encore. Juste pour votre information, le dernier Idaho ne posait pas autant de questions. Ouais, ça c'est vrai. Demandez pourquoi vous avez les souvenirs du dernier Idaho qui est mort. Curieux. Mais je me souviens des souvenirs du dernier clone. Je me rappelle de sa mort. C'est dû au téléchargement de votre esprit. En fait, Ah oui, je me répète. Purée, mais je suis bête. Ouais, je me suis trompé, désolé les gars. Alors, demandez à comment Caliban a survécu à la bataille. Mais tu étais sur le vaisseau, toi aussi. Tu étais avec moi dans le centre de commande. Comment ça se fait-il que tu sois là? Un de mes miens était sur le vaisseau de guerre. Mais il y a de nombreux Caliban sur Guyana. Tout comme il y a de nombreux Idaho, de nombreux Lin et ainsi de suite. Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on va voir. Quelle chance nous avions d'avoir été choisir par Overon pour faire partie de Guyana, de mourir encore et encore en son nom et pour la préservation de sa création. Bah, la création de mon mal de gorge, ça c'est sûr. Juste pour votre information, le dernier Idaho ne posait pas autant de questions, ça je sais. Demandez si les clones peuvent mourir pour de bon. Nous ne pouvons pas mourir pour de bon, si. Vous le pouvez. Vous venez de le prouver. De manière éclatante. Ouais, je vois ça. Mais vous ne pouvez pas rester mort. En ce sens-là. L'équipage et vous... En ce sens-là, l'équipage et vous, vous êtes immortels. C'est toutefois le pire type d'immortalité qui existe, car vous souffrez atrocement chaque fois que vous mourrez. Ouais, c'est vrai. Juste pour votre information, le dernier... Ah, ça, je sais, ton information, oh là là, tu m'énerves. Demandez combien il existe de clones d'Idaho. Combien de nous y a-t-il dans cet endroit? Des centaines de milliers à différents stades de développement, présentement... Tout endormi d'un sommeil sans réveil. Sans réveil dans leur capsule. Ah ouais, quand même. Ouais, je sais, tu vas dire le dernier Idaho ne posait pas autant de questions. Et mon équipage, ils sont tous morts. Oui, à cause de votre commandant. J'ai depuis réveillé des modèles additionnels des mêmes membres d'équipage. Je me suis dit que vous auriez voulu repartir avec un équipage similaire, étant donné les sacrifices qu'ils ont fait pour vous. Ouais, je vois ça, ça me fait de la peine. C'est pas qu'on a perdu les autres équipages qu'on avait eu en clone, mais normalement, non, c'est vu que c'était des clones, du coup, on peut les avoir infiniment. J'ai aussi réveillé plusieurs officiers spécialistes qui semblaient prêts. Juste pour votre information, le dernier Idaho... Ouais, je sais, oh là là, j'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions, machine. J'ai cru que ça n'finirait jamais. Le téléchargement de votre esprit est terminé, amiral. Prêt à recommencer?
Oui. Personnalité d'équipage et le vaisseau de guerre et poursuivre votre route. Je suis prêt, machine. Continuons notre route. Bien, ne mourrez pas cette fois. Cela coûte du néant haine de vous. Fabriquez vous et les autres clones. Ah, succès réussite. Un jour sans fin. Ah, ben voilà. Ok, on peut choisir ça, ça, ou le même. Mais il vaut mieux qu'on prend un nouveau, parce que c'est un peu plus meilleur, on va dire. Mais donc, voilà. Donc, classe CADS. KO. D'accord. Ok. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On a fait le petit gros, le plus gros, la plus grosse chose à faire. Et on se dit à la fois prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à un commentaire positif ou négatif. Cela peut dégrader ma chaîne. Mettez un pouce bleu pour ce que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur la convoitise. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao 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 les bros.